Yo, donc aujourd'hui on va faire du foot avec un ballon géant. Enfin, la vidéo a été tournée avant parce que j'avais pas cette coupe là. En tout cas, elle sort aujourd'hui. Et donc premier défi, on va faire une brésilienne et le but c'est de faire 30 passes. Ça met presque qu'on réussit mieux avec un ballon géant. Parce qu'on amortit plus la balle. C'est un ballon très lourd, très dur à taper. Mais si on l'amortit, on accompagne le ballon et donc ça devient plus facile. Ah. Ça n'a pas l'air en vidéo, mais de la tête, ça fait très mal en fait. Ça fait mal au cou. Oui, ouais, parce qu'il est lourd en fait. Ouais. Oui, l'air, ça pèse en fait. C'est ouais. Ça, il faut bien s'échauffer, Gaëtan. Je dis ça, mais je me suis pas très bien échauffé non plus, je me suis fait mal aussi. Ah, bah voilà, on les a tous abîmés, ça y est. Donc n'oubliez pas de vous échauffer avant le cours de sport, c'est très important. Ok, donc maintenant c'est la deuxième partie du défi et là ils vont devoir tirer le plus loin possible dans la balle géante. On va commenter ça avec Samy, on sait même pas ce que c'est. Moi perso, j'ai juste vu la petite miniature. Moi aussi, c'est alléchant, c'est alléchant. Bonjour Michel. Bienvenue tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire le père Gauthier là? C'est une balle géante, mais c'est pas un tir géant ça. N'importe quoi, c'est les autres qui sont très petits. Le ballon est tout à fait normal. Ah, c'est pour ça, c'est chéri, j'ai rétréci les gosses. 7,77 mètres, et bien, attends, là on 3,7, ça fait 37, c'est Gaëtan, c'est un Illuminati le Gaëtan. 3,7, c'est le chiffre de Dieu, attends, mais me raconte pas des conneries. C'est autour de qui? Gaëtan le Polak. Oh, il c'est bien. Bon, putain, le ralenti. C'est un extérieur. Il a fait 4, 37 mètres, ça va, 37 en plus, voilà, c'est encore... C'est le nombre de Gaëtan, quoi. La puissance, c'est le... Je peux pas faire ça, c'est la mauvaise technique. Mauvaise technique, voilà. Ne refaites surtout pas ça chez vous. Surtout de la manière dont Gaëtan l'a fait, c'est très dangereux. Nous passons au prochain candidat. Jordan. Oh, Pierre-feuille-ciseau. Pierre-feuille-ciseau, il a gagné. Alors, quel est vos pronostics pour le cher Clem Keim? Oh, Clem Keim, il est en train de mesurer la distance, de prendre ses marques. Qu'est-ce qu'il va nous faire? On ne sait pas trop. Ouais, Clem Keim, j'ai pas confiance en lui. Il vient trop du nord, c'est trop le nord. Mais il s'allonge par terre, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Oh, mais... Oh, 7,77 en deux corps. Encore un 32-7. Encore. C'est un complot. Donc Jordan, je pense que le héros va encore gagner. Ouh. Oh, nouvelle technique. 1m25. Bon, on applaudit quand même. Voilà, la tentative, c'est original. À chaque fois, il tente des nouvelles choses. Bon ben voilà Michel, je me casse. Allez, bye bye. Bon bah Jackie, hein, bonne soirée, puis au passage, passe au bistrot. Un petit pouce bleu, une cloche, tu t'abonnes. Hein. Bon, sur ce,
on se quitte. Si vous voulez nous revoir, c'est très simple, notre tarif c'est 15 000 pouces bleus. Sur ce, abonnez-vous et portez-vous bien.